Tout dans l'association, c'est madame Modibo. Elle s'appelle Mariam Koumari. Et elle est ma trésorière à côté de moi qui détient la banque. Quand on tourne la tête là, c'est elle qui donne l'argent. C'est madame Kone, elle s'appelle Karidja Kone. Et à ma droite, c'est la secrétaire adjointe. C'est eux là même qui appellent les gens pour les motiver pour la réunion. Et son adjointe est là aussi, qui est là. Elle s'appelle Sally Ouattara. Et puis maintenant elle est Siloué. Et née Siloué. Et moi, là-bas, c'est ma chérie, Madame Kone. Madame Kone Ami, qui est une des grands membres de l'association aussi. Et moi-même, je suis la présidente de l'Association des femmes du Grand Nord. Nous existons depuis 1986 et c'est la première fois qu'on... 96. Et c'est la première fois qu'on fait une sortie et nous saluons tous nos invités d'être venus nous soutenir. Et nous, le but de notre association, c'est pour aider nos sœurs que nous avons laissées au pays. Nous faisons souvent des donations, mais nous voulons aller au-delà de cela, faire plus que ça. C'est pour ça que nous sortons aujourd'hui au grand jour pour pouvoir faire d'autres manifestations aussi, pour avoir quelque chose, pour pouvoir aider nos sœurs qui sont restées après nous. Surtout les enfants, les mamans qui sont enceintes, sont au village, ils n'ont pas de transport pour venir dans les hôpitaux, il n'y a pas de voiture, mais c'est pour le but de notre association. Nous luttons contre cela. Je vous remercie. Je passe le micro à ma trésorière qui est à côté de moi. Et peut-être qu'elle a quelque chose à dire. Je n'ai pas grand chose à dire. Bonsoir à tout le monde. Je remercie tout le monde d'être là. C'est la première fois que l'association sort. Grandir d'abord avant de sortir, parce que l'union c'est pas facile. Il fallait enregistrer l'association, il fallait faire connaître l'association par le site ici. Et on a mis un peu de temps parce que l'organisation c'est pas facile. Il faut avoir aussi les petits fonds avant de faire quelque chose. C'est pour ça que on a mis ces petits temps avant de sortir. On peut savoir les différentes activités que vous avez faites ici, aussi au pays, en termes d'investissement, en termes de donations. Oui, nous comptons le faire. Comme je viens de le dire, le but de l'association, c'est pour aider nos sœurs que nous avons laissées, les mamans, les enfants et les personnes les femmes qui sont enceintes, qui ne peuvent pas venir à l'hôpital, par exemple, il n'y a pas de transport. Le but, c'était ça. Mais nous comptons faire au-delà de cela, bien sûr. Hein? Par exemple, on fait d'autres business avec nos soeurs qui sont restées là-bas. Et c'est ce qu'on cherche à faire. Bon, il y a des personnes qui sont avec nous, qui ne sont pas forcément du Nord, qui ont aimé l'association. Elles sont venues s'adhérer à notre association.
par exemple, il y a d'autres femmes aussi qui sont avec nous. Les maris sont dans l'association des hommes du Nord, mais elles ne sont pas syndicaux. Elles peuvent faire partie parce que les hommes sont syndicaux. Bon, voilà, c'est comme ça que nous. Vous êtes combien aujourd'hui? On est 70 personnes. Waouh! Yes. Elles sont toutes là, les 70 personnes. Oui, elles sont toutes là. Par exemple, celle-là est la rue Gézé. Elle qui est à Spressiville et pour venir faire les réunions avec nous ici. C'est notre. Donc, elles sont un peu partout, elles viennent. Merci. Merci. On a une vidéo qui est belle, elle est amenée à Mina. Il n'y a pas de chap à l'ombien. Laissez-nous voir, ouais, chap. Thank you.
Thank you.